Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer la nouvelle génération de Golf. Alors ici vous avez la toute première Golf, née en 1974, la deuxième génération de 1983, la Golf 3 de 1991, ici le modèle 97, le modèle 2003, la cinquième génération, le modèle 2008, la sixième génération, et la septième de 2012. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est la huitième génération de Golf que vous voyez ici, qui a changé son regard, qui conserve quasiment les mêmes cotes. Elle fait 2 cm de plus en longueur. Le toit a été rabaissé de 2 cm, mais l'empattement est strictement identique. Nous allons l'essayer dans cette version jaune avec le 2 litres TDI 150 chevaux, couplé à la boîte DSG7. Vous voyez, on est sur une finition style avec des jantes de 17 pouces. Et la partie arrière ressemble à s'y méprendre à l'ancienne génération. D'ailleurs, l'habitabilité est strictement identique. Regardez le coffre qui fait 380 litres. C'est exactement le même volume que l'ancienne génération. On a ce double fond ici avec le système audio. Regardons les places arrière qui n'ont pas changé non plus. On a toujours un très bon espace aux jambes, une bonne garde au toit. Ici, on a le tunnel central, 2 prises USB-C. Là, la clim à réglage électronique à l'arrière. Et à l'avant, eh bien, notre modèle d'essai est équipé de magnifiques sièges en tissu Alcantara avec un bon maintien latéral, des réglages d'électrique. D'ample réglage, toujours sur les Golf, on est bien installé. Et voici l'intérieur. Beaucoup plus original en termes de style. On n'a plus du tout de boutons. Tout a été intégré. On va mettre le contact. On va brancher le téléphone portable. On peut le connecter en Bluetooth également. Et là, ça change tout. Donc on a une planche de bord très épurée, avec un système multimédia à écran 10 pouces. C'est 8,2 pouces sur les versions d'entrée de gamme. C'est assez fluide. C'est bien fait. On dispose du système Apple CarPlay, vous voyez ici, c'est très bien fait avec Waze et Deezer. Le système de navigation est également bien présenté, très fluide. En revanche, le système de ventilation est vraiment pas très pratique. Vous voyez, il faut d'abord appuyer là et ensuite appuyer là pour enfin lancer la ventilation avec les réglages ici. Donc il y a beaucoup trop d'interventions par rapport à des manettes traditionnelles et là on se demande à quoi sert le progrès. Mais globalement, l'ergonomie est bonne, avec un poste de conduite où on se sent très bien, comme à la maison. Ici, les réglages de phare. L'instrumentation est très lisible, avec ici, vous voyez, la possibilité de modifier l'affichage. Donc là, j'ai la vitesse, mais je peux mettre le téléphone, audio. Voilà, la jauge de fuel. Donc ça, c'est pour les aides à la conduite. On dispose d'une commande vocale, là, pour simplifier les choses. Ça, c'est toutes les commandes du régulateur de vitesse. On dispose du régulateur de vitesse actif en option. Au niveau de la présentation, on a des plastiques bien rembourrés sur la partie supérieure. Ici, c'est joli, les assemblages sont quand même soignés. On a des LED de couleur pour l'éclairage de nuit. En revanche, toutes les parties basses, vous voyez, sont rigides. Et ça, c'est quand même dommage. Là, vous pouvez voir le levier de vitesse de la boîte DSG à 7 rapports, double embrayage, frein de parking automatique, recharge par induction. Ici, des prises USB-C, donc il faut mettre des adaptateurs pour des prises USB classiques. La boîte à gants, assez spacieuse. Les rangements avec de la moquette. Là, on a des contreportes bien rembourrées ici. Ici, un petit peu moins. Allez, on va mettre le contact. Avec la clé main libre. On peut aussi utiliser son smartphone pour démarrer avec une application. C'est une Golf connectée. Donc, vous voyez, on entend quand même le diesel. On l'entend pas mal. Pourquoi? Parce qu'il est froid. Mais on n'a pas trop de vibrations à bord, dans le volant, dans le pédalier, on sent rien. Ça vibre juste un tout petit peu dans les sièges. Allez, en route. Un petit coup de drive. Hop, frein à main automatique. C'est parti. C'est magique. Donc on entend un petit peu le moteur. Mais encore une fois, il est froid. Ça devrait se calmer un peu plus tard. Là, vous voyez le freinage automatique d'urgence qui m'indique qu'il y a une voiture qui a pilé devant moi. Ça fait partie des équipements d'aide à la conduite qu'on retrouve sur toutes les voitures modernes. J'accélère un petit peu.
vraiment une très très bonne réactivité, beaucoup de couple sur ce diesel. Allez, on sort d'un petit village pour prendre une route bien sinueuse comme on les aime. Je vais me mettre en mode sport. Voilà. Alors, dès le premier virage, on sent que la voiture est très stable, avec un train avant assez incisif. La direction est aussi très très bien calibrée, ça c'est un plaisir. Là on va prendre un virage à gauche bien serré. Alors ça rétrograde pas au-dessus de 3000 tours. Il faut être en dessous de 3000 pour que la boîte accepte de rétrograder. Et elle passe le rapport automatiquement au niveau du régulateur. Donc c'est pas un mode 100% manuel. Vraiment c'est pas une voiture de rallye non plus. Et vous voyez comment ça reprend très très fort avec le diesel. On a 360 Nm de couple, donc là vous voyez, paf, je mets la louche en sortie de virage, ça repart sans problème. C'est pas aussi bien qu'une électrique, mais presque. Surtout que cette boîte DSG est particulièrement bien étagée et intelligente. Donc en fait, elle réagit vite, on la sent pas travailler, il n'y a pas d'à-coup. Sur les changements d'appui, des gauches-droites, la voiture semble vraiment imperturbable. On a un ESP très bien calibré, c'est là qu'on voit les progrès sur les voitures modernes. Là encore une prise d'appui. Le roulis est vraiment très très bien contenu. Alors on bénéficie de suspensions pilotées en option sur ce modèle d'essai. Et c'est des suspensions pilotées qui communiquent avec l'ESP. Donc ça permet de modifier le tarage roue par roue, ce qui rend la voiture particulièrement efficace. Comme on est sur une version diesel de 150 chevaux, on bénéficie d'un train arrière multibras qui optimise le guidage et le confort à l'arrière. La suspension peut sembler un petit peu ferme parfois sur certains raccords. Regardez, hop, je vais forcer, personne en face. Et voyez, elle a bien corrigé le sous-virage. Là, j'ai vraiment provoqué un sous-virage méchant et elle est restée dans sa ligne. C'est vraiment remarquable. On a des antidérapages aujourd'hui qui font des merveilles. Voici sur autoroute où l'insonorisation est très bonne, on n'entend pas du tout le moteur, un petit peu de bruit d'air. Et quand on est à 130, vous voyez, on est à 2000 tours minute, à peine 1900 tours en 7e. Donc on est serein, d'autant plus que la voiture est très stable et puis on a toutes les aides à la conduite active. Si on a le régulateur de vitesse actif en option, eh bien il n'y a presque plus besoin de toucher au volant, la voiture se maintient dans sa ligne et à distance. Maintenant, c'est pas de la conduite 100% autonome encore. En matière de consommation, le constructeur annonce moins de 4 litres, ce qui est exceptionnel, ça permet d'être en dessous des 100 g de CO2 et d'échapper au malus. Dans la réalité, il faudra plutôt tabler sur 5,5 litres, 6,5 litres de moyenne, ce qui est quand même exceptionnel pour un TDI de 150 chevaux qui fait le 0 à 100 en 8 secondes 8 avec une boîte automatique. Au niveau des tarifs, on va tabler sur une augmentation d'environ 1400 euros à motorisation équivalente. Maintenant, on a un bien meilleur niveau d'équipement. Donc, il faudra prévoir 37 000 euros sur un 150 chevaux diesel DSG en entrée de gamme et 38 000 euros pour un modèle équipé comme celui-ci. Je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à bientôt. Ciao !